tard, donc là on va direction les Canaries et on va plus avoir de connexion pendant plusieurs jours. Donc on vous dit à très bientôt, peut-être dans une semaine. J'espère que tout ira bien. Voilà, donc ça c'est notre tracé, c'est le GPS. Donc voilà, donc on n'arrive pas à descendre, le vent n'est pas favorable pour descendre. Donc on fait quelques zigzags, on fait des bords et on essaye d'aller à Madère. Donc il est 8h du matin, je crois qu'on est le 23 décembre. Et donc on vient de vivre une nouvelle tempête, un orage. C'est violent. Ok, donc là, l'orage arrive. On vient de fermer les portes. Ici, on a mis la porte en dur. Christian est resté dehors. La grand-voile est affalée. Donc on avance simplement avec le courant. Actuellement on est à 4,2, entre 4 et 5 de courant. 5, 5, 7 voilà, au GPS. Et dehors on a des vents à quoi? Donc 50 nœuds, oh putain c'est beaucoup 50 nœuds, force 10, tempête. Ok, voilà, on est super pas rassuré. Donc le problème est le suivant, c'est que maintenant qu'on a plus de voile, on va avancer moins vite que les vagues. Donc c'est à lui de gérer à l'extérieur pour que... Oh là, putain. Le bateau, on a réussi à amarrer le bateau là, donc on était sans moteur. Là, vous voyez une foule rouge, on est arrivé et on est venu se jeter sur le bateau qui est ici, le ferry. On a tapé dans la coque, la police est venue et ils nous ont demandé de venir nous mettre ici. Alors on est à Tarifa, c'est le matin, enfin non il est midi, hein. Et donc on s'est posé à un hôtel hier soir qu'on a trouvé à côté du port, après l'aventure qui nous est encore arrivée, non, on a foncé donc dans un ferry, donc là on va se poser dans un hôtel et on va réfléchir au trajet que l'on va refaire.